Donc bonjour à tous, Pascal donc Choteau, j'ai dit de toute façon direction régionale d'Aquitaine. Donc voilà, moi l'idée c'est de vous parler, oui, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, mais c'est la suite du diaporama. Donc l'idée c'est vous présenter ici. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé hein, de formation, d'expérience dans les fédérations. Je travaille d'ailleurs avec quelques fédérations hein, qui sont ici. L'idée c'est de voir pourquoi. Comment on peut l'utiliser, les environnements numériques, dans les services déconcentrés de l'État ou même dans les directions départementales interministérielles? C'est encore un truc un peu plus compliqué parce que c'est sous le préfet. Avec la question que tu posais tout à l'heure, mais c'est autorisé? Ben, tous les moyens pédagogiques, hein. Je dis, on est personnel technique et pédagogique, donc on prend tous les moyens dont on a besoin pour exercer notre mission. Mais voilà, il y a quelques confusions. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire, voilà, je vous ai fait un petit schéma, j'aime bien ça, c'est de dire, moi, il faut que je travaille sur les réseaux métiers en direction régionale. Le réseau métier, c'est les collègues du service sport, c'est des différents services sport de tous les départements et de la direction régionale, c'est les collègues qui travaillent sur la formation, c'est les collègues qui travaillent sur le sport santé, ainsi de suite. Ou les CEPJ qui travaillent voilà, sur les PEDT, hein, projets éducatifs territoriaux. J'ai une nécessité d'informer le grand public, puisque hein, je suis un service de l'État et je dois informer le grand public. Et aussi, en général, on est une administration qui fonctionne beaucoup avec des acteurs de territoire, quoi. Historiquement, on a beaucoup formé des gens et on travaille avec les acteurs, et notamment en sport, avec les fédérations, mais en éducation populaire aussi, avec les fédérations d'éducation populaire et une multitude d'acteurs. Donc, voilà, je vais passer rapidement réseau métier. Renforcer les liens entre les collègues, ça veut dire qu'on a les réunions physiques, mais à un moment, ben, on ne peut pas se voir, et surtout à 12 départements. Hein, c'est là où je viens à Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes, et je passe de 5 départements à 12. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Après, on a des documents, mais ça traîne sur des mails, sur des choses comme ça. Donc, comment partager des documents? Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est favoriser les collaborations et les coopérations. Ouais, il y a un petit point sur. La différence entre collaboration et coopération, c'est ceux qui sont intéressés, ils iront voir le Prezi et il y a une petite note de mon amie Charlotte là-dessus. Informer sur l'ensemble du territoire, là classiquement, j'ai le site institutionnel de la direction régionale qui informe là-dessus. Donc, mais là, moi, mon intérêt, ça va être de croiser ces différents objectifs ou finalités grâce à ces environnements numériques. Et je suis le service de l'État, donc c'est délivrer une information égalitaire sur un territoire. Et ça, c'est pas forcément évident. Hop là, surtout voilà, hein, je vous montre ma belle région. Donc je pense qu'on a calculé il y a à peu près 700 ou 800 km entre le Oloron-Sainte-Marie et les trucs au-dessus de Niort. Enfin, je ne connais pas encore bien le côté nord de la région, je suis désolé. Voilà. Et en fait, je me suis saisi toujours pour l'argumentaire sur les services de l'État. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font moins facilement. J'ai pris le dossier de presse de la réforme territoriale, hein, 31 juillet 2015, qui dit, je vais le lire, cette réforme est l'occasion de muter vers une administration 3.0. Là, moi, je prends tout de suite ça, je note et j'envoie ça à mon directeur, d'accord? Dans le cahier des charges. Voilà. Alors. Comment? Oui. Lien avec les acteurs de territoire. Donc là, hein, c'est travailler avec les acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et en plus, ça serait leur permettre d'accéder, mettons, à un espace de travail collaboratif, puisque c'est pareil, on peut faire des réunions ou on peut travailler avec eux, mais là, je veux quelque chose de plus permanent et sur mon grand territoire. Et aussi, le dernier point, c'est rendre visibles les actions et les cartographier. Parce que, mettons, je fais un appel à projet sur le sport santé. L'idée, c'est de voir mais, qui est dynamique sur le territoire là-dessus. Et bien, l'idée, je vais cartographier. Qui c'est qui forme, mettons, mettons aux activités physiques pour tous. Et bien, je fais une cartographie et comme ça, je vais voir où sont les lieux de formation différents. Alors. Donc, ce qui m'intéresse, vous avez vu, c'est que si je prends ces objectifs séparément, on va me dire le réseau métier, je peux faire des réunions, informer, il y a le site institutionnel, et travailler avec les acteurs, j'ai qu'à faire une petite réunion de temps en temps, puis je travaille avec les acteurs, me déplacer, les voir. Donc là, je vais étudier les croisements.
Et je pense que là, les environnements numériques, là, quand on croise ces différentes finalités, ils sont vraiment très utiles. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, quelques exemples. Bon, les objectifs, hein, je vous mettrai avec le hashtag SBO 2016. Ça. Et DO, voilà, si je fais SBO. Donc, SDO 2016. De toute façon, c'est déjà en ligne hein, sur le blog collectif, mais où on est très actif avec Olivier, e-entraînement et e-formation. On vous invite d'ailleurs tous à venir participer pour lister, pister les différentes expérimentations. Voilà, alors je vais prendre justement, ça j'avais lancé ça quand je suis arrivé à l'ADR, une collègue Nelly Marois qui m'a dit mais je veux faire un Facebook des accompagnateurs VAE. Là par contre, un Facebook page officielle de l'ADR, il aurait fallu avoir des autorisations, c'est pas du tout un compte personnel. Et donc j'ai fait ce petit réseau social des accompagnateurs VAE, c'est-à-dire que plutôt d'envoyer des tableaux, des listes de personnes, hein, donc déjà, ça me donne un accès à tous les accompagnateurs. Et vous voyez, j'ai élargi, maintenant j'ai même les accompagnateurs jusqu'à Poitiers, hein, puisque ben, l'outil, il est bon pour l'Aquitaine, ALPC, je rentre les gens, et voilà, ça c'est opérationnel, alors que j'ai beaucoup d'autres outils qui ne sont pas encore opérationnels pour ALPC. Mais là, comme c'est moi qui pilote, c'est beaucoup plus facile. Ce qui n'est pas opérationnel, c'est mon logiciel métier, ce qu'on appelle de certification, hein, qui donne les diplômes, forums. Là, par contre, c'est encore, je vois pas encore ce qui se passe à Poitiers, à Limoges. Et là, il y a les données confidentielles. Hein. Donc ici, j'ai pas de données confidentielles puisque c'est public. Les accompagnateurs VAE, s'ils veulent accompagner, il faut forcément qu'ils aient une fiche, un numéro de téléphone s'ils ont envie, un mail, puisque c'est des données publiques qui sont labellisées. Et ils veulent communiquer pour avoir des personnes à accompagner et des revenus derrière. Et en fait, l'idée, c'est qu'en plus de cet accès public, on s'est dit, eh bien, on va aussi proposer des choses. Ça veut dire que je vais proposer des contenus de formation, tous les textes sur la VAE. Eh bien, je vais avoir un espace collaboratif à l'intérieur. Plus que mon réseau social pour juste communiquer sur mes accompagnateurs, je vais avoir des éléments. Et donc, je vais leur donner, même ceux qui ne sont pas venus à la formation, s'ils sont dans le réseau social des accompagnateurs VAE à LPC, ils ont accès à des choses comme ça. Et en fait aussi, on s'est dit, mais tiens, il y a des choses plutôt embêtantes. Il faut faire remonter toutes les personnes qu'ils accompagnent. Et donc là, on a créé des accès complètement restreints pour qu'ils remontent des données. Et vous voyez, ça, au départ, je l'ai fait avec quelque chose qui s'appelle WordPress. Et là, je suis allé voir mon informaticien et il m'a dit... je veux pas le wordpress.com hein, avec des publicités. Et j'ai dit, OK, il y a une version à télécharger qu'on a installée sur les serveurs de la direction régionale. Mais ça, c'est du boulot parce que installer, ça veut dire prendre ses petits doigts d'informaticien et coller, faire du FTP, du webmin, des trucs hein, qui vous à ravir. Par contre, pour hein, convaincre, pareil, mon service, la direction, cahier des charges, d'accord ? Service déconcentré, on a intérêt à... Enfin, moi, je pense qu'on a intérêt à être très structuré sur ce qu'on veut faire. Hein. Le cahier des charges, il reprend accès public, accès tout le groupe d'utilisateurs et accès restreint DR, l'accompagnateur. Donc, un autre exemple, mais là, je vais passer vite. Et là, il y a Maëlie qui est là hein, sur ce sujet, qui va travailler dessus. Mais sport santé, on a besoin de communiquer sur cette mission-là. Sur le site institutionnel, je peux mettre que 1, 2, 3 éléments. Là, je vais avoir... à la fois une communication et la possibilité de créer des espaces, un espace régional, un espace départemental, des outils collaboratifs, des outils de stockage de documents, ainsi de suite. Donc à travers une mission, ça me permet d'animer une mission hein, avec les acteurs de territoire, avec d'autres acteurs, ce que je ne pourrais pas du tout faire, ou avec mes outils ministères, ou avec les outils sites institutionnels, et en plus des réunions physiques, d'avoir pas mal d'éléments. Donc voilà, je passe un stockage de données, des espaces par département, voilà. Alors ça, c'était quelque chose qui mixait trois domaines. Et après, j'ai aussi finalement tout de suite passé... Alors là, sur le deuxième, j'oublie des choses. Hein. C'est que au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai développé un environnement tout seul, WordPress. J'ai pris mes petits doigts, j'ai des petites connaissances, j'ai fait maths informatique avant, dans une autre vie. Donc ça va. Mais là... j'ai des demandes de plusieurs collègues, de mon chef de service formation pour développer un environnement. J'ai moi des besoins sur des jurys. Sport santé, c'est la collègue du service sport. Et là, j'ai dit stop, j'arrête. C'est plus mon métier hein, de développer ça. Il faut que j'aille sur un système où je peux créer à la volée
des sites web, hein, des portails web qui me permettront d'avoir des espaces collaboratifs derrière. Donc, avec mon compère Olivier, l'idée c'était pour la direction régionale de dire mettre en avant les partenariats, toujours quoi. Donc je fais un partenariat avec le NVSN pour faire une instance spirale, en accord avec Shaira et Christophe Battier, ou qu'ils apprennent peut-être aujourd'hui, mais en accord total. L'idée c'est d'expérimenter. Et l'ADR là-dessus a été d'accord pour dire, ben, voilà, on va expérimenter parce que déjà, on ne fait pas une facturation, on va voir, et on est sur une collaboration avec un établissement public, enfin public national du ministère. Donc, j'ai développé à la volée, mais finalement, là, j'ai des demandes, pas mal de demandes. Hein. Donc, après, à chaque fois, il faut que je trouve hein, des interlocuteurs. Donc là, mettons, c'est sur un jury. En fait, je me rends compte qu'il y a énormément de textes. J'ai beaucoup d'organismes de formation. Là, 12, je vais passer à 16 organismes de formation sur la grande région. Et si à chaque fois, je leur dis, ouais, mais vous n'êtes pas au courant du texte sur les tuteurs, vous avez droit à 80... Hein, des textes juridiques très précis. L'idée, c'est de leur mettre en ligne. Et c'est aussi de croiser quelque chose qui va beaucoup intéresser mes collègues des départements, c'est que je demande aux organismes, c'est une obligation, qu'ils remontent tous les lieux de stage de tous leurs stagiaires. Donc là, je fais un tableau, je croise tout et je mets en ligne parce que les collègues des départements, ce qui va les intéresser, c'est d'aller contrôler ou savoir ce qui se passe sur leur département. Et donc, je trie mon tableau par département. Comme ça, ça me permet d'avoir une retombée pour les collègues de département, de travailler mon réseau métier. Comment ? C'est redondant. C'est-à-dire ? Avec des logiciels qui sont déjà disponibles. Ben non, ils n'ont pas ça. Ben non. Ils n'ont pas l'information. Parce que l'information, les organismes de formation l'envoient à la direction régionale qui stocke ça sur son petit réseau dont personne d'autre a accès que nous. Donc moi, l'idée, c'est que je croise ça et je donne à disposition de tous mes collègues en département pour qu'ils puissent aller voir ça. Parce qu'avec le logiciel GAMTAM, et on peut filtrer par... Ouais, mais là je suis sur le sport et j'ai pas de gamme TAM. Alors, la même chose sur l'environnement numérique de travail du service formation, à la fois des espaces collaboratifs, à la fois on retransmet une information sur les textes juridiques applicables à la formation de façon plus égalitaire, parce qu'autrement, on avait les organismes de formation qui sont à côté, à Bordeaux. Ils sont bien informés parce qu'ils viennent nous voir. Et puis, celui à Oloron-Sainte-Marie et celui à Niort, ben, un peu moins bien informés parce que ben, pour venir nous voir, c'est plus compliqué. Alors, hop, je passe. En plus, bon, enquête d'insertion de diplômés. Et après, d'autres types d'expérimentation. Donc là, c'est avec Charlotte qui était venue me voir sur, mettons, la coordination nationale de l'animation, de tous les diplômes de l'animation. On a des outils, mais comment on fait pour communiquer avec tous les collègues France sur une thématique très spécifique sans être trop embêté par rapport à ça. Et bien, on ouvre une instance, bam, c'est fait en 5 minutes, hein, et derrière, on va travailler là-dessus sur un outil facile, savoir, là, j'ai pas à savoir si le réseau de l'ADR d'un tel ou de la DD d'un tel, il est compatible avec... C'est un accès web, aucun souci, on monte un espace collaboratif. Voilà. Et un dernier petit exemple, ça c'est justement, il y en a qui ont répondu, c'est Pierre Brochin je crois, ou d'autres hein, qui sont venus, Laurent Dupuis. J'avais une idée, c'est je me suis dit, on a des certificateurs, nous l'État on délègue, hein, vous savez, de plus en plus aux organismes de formation, privés ou publics, et surtout la certification, on s'occupe d'un petit bout de certification. Sauf que derrière on demande que, ouais, un niveau de diplôme ou quelque chose, mais on n'a aucune assurance qu'ils savent bien ce que c'est une certification d'un diplôme d'État. Et l'idée, moi je me suis dit, c'est de passer sur... une labellisation des certificateurs. Mais faire venir des gens à la direction régionale, là j'en ai 300, mettons, sur les activités gymniques de la force et de la forme, jamais j'arriverai à les faire venir les 300 à la direction régionale. Quoi. Donc ça serait de faire hein, comme un test, des contenus, des quiz, pour avoir une forme de label. Et donc là, j'ai fait un appel à certains collègues, il y en a qui m'ont demandé un code, et justement, j'aimerais bien faire une espèce de MOOC là-dessus. Voilà, l'idée, c'est un espace collaboratif, mais j'ai une idée, mais je peux monter un espace, proposer qu'on travaille sur des contenus, ouvrir des droits à des personnes de façon assez libre. Et ça, c'est bien un travail pour moi, de service déconcentré. Mon souci en tant qu'État, c'est bien d'être sécurisé les parcours de certification, enfin, en tout cas, la certification des diplômes d'État. Et donc, c'est comment mettre un outil au service
de cette mission. D'accord? J'ai des outils qui permettent de donner le diplôme. Donc ça, ils sont sécurisés. Et ça, effectivement, je ne vais pas mettre des données personnelles sur ces espaces-là, hein, de ce type-là. Mais là, moi, je suis bien sur un espace collaboratif au service de la qualité de ma mission. Donc, je vous invite à venir, s'il y en a qui sont intéressés par ça. Hein, parce qu'en fait, on a discuté avec Laurent sur les formations, finalement, les CQP, les formations fédérales. C'est quoi le rôle de certificateur, hein? Et je pense que j'avais pris un exemple sur le ministère du Travail, qui a un super, hein, qui est dans cet espace collaboratif. Hein. Mais ils ont des fois beaucoup plus de moyens que nous pour faire des choses comme ça. Et après, ça c'était pour ceux qui veulent voir. C'est que les environnements numériques de travail, ça ne passe pas tout seul. C'est que tout seul, ça ne fonctionne pas. Une présentation, c'est je réfléchis sur mon bout de papier, je fais un schéma, puis après, finalement, l'environnement numérique va me permettre de présenter ça de façon plus sympa. Rien n'est incompatible et c'est l'environnement numérique qui ne remplace pas une forme de réflexion, mais il est vraiment en soutien de pas mal de choses, quoi. Et puis je pense qu'il faut que j'arrête là et si vous avez des questions.